Le jeudi 12 février 2009, le directeur général de Benetelecom SA, Patrick Benon, et le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information ont procédé à l'inauguration de Kanakuland, nouveau siège du département multimédia de Benetelecom SA. Pour la circonstance, c'est le nouveau siège de Kanakuland situé en face de la direction générale de la SONEB qui a servi de cadre à cette cérémonie qui a connu la participation d'illustres personnalités. Cette cérémonie nous offre l'opportunité de réaffirmer notre détermination à faire de Bénin Télécom la pièce maîtresse du développement de l'Internet au Bénin, afin de concrétiser la vision du chef de l'État, le Dr Boni Yayi, qui consiste à faire du Bénin le quartier numérique d'Afrique. Kanakuland est composé de 3 compartiments. Le premier compartiment est un point de vente où les clients pourront découvrir les produits Internet de Bénin Télécom et les acheter, bien entendu. Le deuxième compartiment, qui est constitué de la grande cour de Kanakuland, est en réalité un cybergéant puisque la connexion Internet Wi-Fi y est disponible 7 jours sur 7. Le troisième compartiment de Kanakuland est constitué des bureaux de la sous-direction multimédia de Bénin Télécom. Cette nouvelle initiative est l'expression même de la volonté de Bénin Télécom SA à œuvrer une fois encore pour le développement du Bénin sur le plan des technologies de l'information et de la communication. Bénin Télécom SA vient de mettre à la disponibilité des Béninois des produits intéressants et fiables. Le Kanaku Liberté Plus et le Kanaku Liberté qui ont pour caractéristique une grande mobilité, une couverture nationale et qui peuvent être obtenues sans abonnement et dont l'usage se fait sans facture. Vous trouverez à Kanakuland ainsi que dans toutes les agences commerciales de Bénin Télécom 2 catégories d'offres Internet essentiellement. La première catégorie d'offres Internet est constituée de produits qui offrent une très grande mobilité. Nous avons dans cette catégorie le produit Kanaku Liberté qui vous permet d'accéder à Internet grâce à votre poste téléphonique ZKD. Nous avons toujours dans cette même catégorie le tout nouveau produit de Bénin Télécom, Kanaku Liberté Plus, qui est une clé USB qui vous permet d'accéder à Internet avec un débit de 230 kilobits par seconde. Le coût de la connexion Internet avec la clé USB est de 400 francs CFA de l'heure seulement, ce qui fait à peu près 6,67 francs la minute. La deuxième catégorie des offres Internet de Bénin Télécom est composée de produits qui sont fixes, mais qui offrent de très grands débits. Nous avons dans cette catégorie les produits ADSL et WiMAX. Les offres de base ADSL et WiMAX coûtent 25 000 francs CFA par mois pour un débit de 256 kilobits par seconde, illimité bien entendu pendant le mois. Le Kanaku Liberté Plus est un coffret contenant un modem USB, un kit oreillette, une carte de garantie et un CD d'installation. Le tout à un prix fracassé de 50 000 francs CFA. Vous avez la clé USB, vous avez la carte IM qui vous donne accès à un numéro. Vous avez votre numéro de téléphone, un numéro de téléphone. Vous avez le kit oreillette et vous avez un CD d'installation. Le CD vous permet d'installer le programme sur votre ordinateur. Après ça, vous introduisez votre clé et vous avez l'Internet et la vitesse est de 230 kilobits. Très rapide, 230 kilobits. Maintenant, en voulant téléphoner, vous mettez votre kit oreillette sur votre ordinateur, vous verrez apparaître l'icône du téléphone, vous cliquez là-dessus, ça vous donne la main, vous composez le numéro et puis vous appelez, vous communiquez simplement. Donc l'avantage c'est que vous êtes très mobile avec ça, vous allez là où vous voulez et c'est dans tout le Bénin. Vous vous déplacez avec votre clé, votre numéro de téléphone, et vous passez dans tout le Bénin, vous naviguez comme vous voulez.
Selon Désiré Adaga, ministre de la Communication et des Technologies de l'Information, le Bénin est devenu depuis peu le quartier numérique d'Afrique. En posant des actes comme celui d'aujourd'hui, Bénin Télécom se place donc à l'avant-garde de cette révolution technologique majeure des temps modernes que constitue le phénomène Internet. Ainsi, le Bénin comblera progressivement son retard en matière d'équipement des institutions, des entreprises, des universités, des collèges et des ménages aux produits Internet. Le taux de pénétration des produits multimédia doit continuer d'évoluer de façon ascendante afin que l'Internet s'installe à court et à moyen terme dans toutes les entreprises et dans tous les ménages sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, au moment où nous procédons à l'inauguration officielle de ce nouveau siège de Kanaku de Bénin Télécom, je voudrais vous convier à persévérer dans les efforts que vous déployez quotidiennement pour accompagner le gouvernement dans la concrétisation de sa vision pour notre pays en matière des technologies de l'information et de la communication. Car c'est ensemble, c'est dans un ensemble numérique que nous pourrons ensemble faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique. Sur ces mots d'exhortation, je déclare officiellement ouvert le nouveau siège de Kanaku Land. Patrick Benoît, directeur général de Bénin Télécom SA, et Désiré Adaga, ministre de la Communication et des Technologies de l'Information, ont procédé à la coupure de ruban à la visite des bureaux, des installations techniques et du hall de vente grand public. Il est à noter que Bénin Télécom SA offre à la population béninoise une connexion gratuite à haut débit pendant un mois dans son siège du département multimédia qui n'est rien d'autre que Kanaku Land. Ce siège est situé en face de la direction générale de la SONEB. Je voudrais inviter tous les habitants de Cotonou et environ à venir découvrir les produits de Bénin Télécom à Kanaku Land. Comme cadeau de bienvenue, nous offrons la connexion Internet Wi-Fi gratuitement pendant une période de 2 mois dans la cour de Kanaku Land. Vous pourrez donc venir avec vos ordinateurs surfer gratuitement dans ce cadre agréable.